Chapeau bas pour un siflic. Bien sûr. Le grand Barça est de retour. Bien sûr. Yo souvent dit on pas changer une équipe qui a gagné. On dit que flic pas dit ça seulement, lui même il dit pas changer une stratégie qui a gagné. Donc pile question que tu as posé avant classico ça et gain même blague qui était viral, une image qui virale qui dit on dit que flic si ou sous quoi ne soit fait vrai, contre Real Madrid. Ouais. Parce que Vinicius, Mbappé, pas Gnabry, c'est deux Mikael Olise. C'est deux joueurs plus rapides. Bien sûr, plus rapide et puis joueurs ça ont commencé à jouer notre talent. Les mêmes dans une situation comme ça, question à poser. Et d'ailleurs, il a posé un dit flic dans la conférence pour la presse avant le match. Est-ce que la Kembe même stratégie? Bon, il n'est pas traité ouvert pour le dire même bagarre à la Kembe, mais lui elle fait même bagarre à Jodia. Et ça dit son équipe qui préparait pour le jouer, pour le mettre une stratégie en place avec un lot qui lui-même pour préparer ou bien pas habitué à ça. Mm-hmm. Parce que tout dans le deuxième mi-temps, on s'en a dit, côté intelligence Mbappé, à un moment donné, où j'ai toutefois ça en premier mi-temps. Déjà, non, pour mettre des fausses en deux. Déjà, le premier mi-temps, il y a 14 jeux. Il fait 4 en corner de. Non, dans le deuxième mi-temps. Moi-même, des fois, et c'est ça dans le coaching, moi, je crois que l'entraîneur Ancelotti doit relayer à part et dire comme ça que. Ou toujours on 1 cm en plus, on 2 cm en plus. Pour qui ça ou pas commencer comme ça encore plus bas? Ou bien ou pas partir plus tard? Ou bien ou pas essayer ou que tout le monde fait appel là au large? C'est parce que l'heure on prend, bien que je suis déjà très intelligent. Non, Barcelone préparé pour ça. Mais l'heure on prend 8 fois la donne. Non, mais déjà, on peut 4 fois la même chose. Rivons côté, ok, ça mettait en question intelligence tactique. Mais bien sûr, regardez, il y a deux goals Barcelone, Lewandowski d'abord, et puis Rafinha. C'est soit dans l'enjeu équipe Real Madrid. Oui. Bon, Real Madrid a l'entrée sur le terrain que Barcelone connaît bien passé. Là, 4 goals libres, il y a deux goals, c'est là, laisser mettre l'adversaire dans l'enjeu piège. Et il prend la donne. Gol Lewandowski a, Mendy lui même pas arrivé, l'envoyer la mini à mal. Il bat avantage à Lewandowski. Et puis Gol Rafinha tout. Ouais. Dernier gol là. C'est démarqué sous défense et puis il met tête dans la situation. Ouais. Ça. Donc l'équipe Barcelone a été déroulée. Et ça, même toujours, elle est dans modèle Maxao. Et bien content de mentionner ça. Elle a fait une bat Bayern, il y a un cap dit bon, c'est Real Madrid Napton. Kounya là ou bat Bayern, oui, yo dit Bayern pas bon dans saison. Ouais. Yo dit Bayern c'est pas plus bon version Bayern depuis quelques années. A raison hein. Tout à fait. Kounya là ou jouer match confirmation. Match confirmation, c'est pas même battre Real pour battre Real. Moi connais après match Bayern en zone mix, Lamine Yamal dit un bagaille qui révélateur. Il dit c'est dans match ça que n'a découvert qui est nous bien sûr. Et qui ça ne café. Bien sûr. Ou connais qui ça veut dire en même temps, ça veut dire son équipe qu'en gestation. Oui. C'est l'équipe là qu'on finit de définir. C'est-à-dire ça veut dire que l'équipe ça a pour qu'on atteigne Pikli. Claire. Elle n'a pas atteint Pikli, ça n'a pas semblé. Non mais oui. C'est une vraie question. Pourquoi on fait débat ça avec Gettini? On a dit l'équipe ça en octobre qui j'en la pied. Même, on était crampé sur une position, on a dit. Si l'équipe ça comme ça, grand pile joueur pour retourner dans l'équipe là. Tout à fait. Ou alors le changement fait qu'il y a tout. Mais plus stabilité dans le terrain. Tout à fait. Si l'équipe là comme ça, il y a un joueur pour retourner. Parce que Nigo Martinez qui a joué là. C'est certain, là où on a la retourné par les capteurs. Si l'équipe ça comme ça avec tout joueur ça obtient dans film rien, et les joueurs ça retourner. Et les pics là. Parce que tout le monde est sous Barcelone, en plus on a demandé le gros résultat ou un gros match en Europe dernière année ça. Il a fait là avec Bayern. Ouais. Qui a dit Bayern, c'est pas plus bonne version, mais saison dernière, il fait demi-finale. Tout à fait. Il fait demi-finale. Et on même dit, si il n'y a pas faute de Emmanuel Neuer, c'est qu'il tape en finale. Tout à fait. Et il tape favori contre Borussia Dortmund. Mm-hmm. Ça veut dire deux équipes équipe ça te calme en finale et gagne Ligue des Champions. Et puis Bayern et Bayern. Et pas même battre Bayern dans tout. S'écraser, c'est quelle dernière défaite. Yo. Mm-hmm. Ça veut dire Bayern, Barcelone était sous 6 matchs. Mm-hmm. Contre Bayern, c'est 6 défaites. 4 uh-huh. matchs, pas de balle goal. Donc je dis à la même pensée, équipe Barcelone, non? C'est tout bon. Kounya échappe au bas pour Hansi Flick. Bien sûr. Et puis Hansi Flick vient avec même joueur. Même joueur, équipe l'a transformé. Yeah. Équipe l'a pris l'autre dimension. Mm-hmm. Barça pas d'accord jouer. N'importe gens. Barça voulait que c'est dans le camp là pour jouer. L'a tout fait. Et c'est ça que je avec Flick. Flick, c'est ça, ça un high roller. Un mm-hmm. high roller, elle vivait dans le casino, il n'a pas joué pour 20 gouttes, 30 gouttes. Il n'a pas joué pour 10 000 dollars, jouer, pour 20 000 dollars. Il a mis avant, il dit comme ça que un joueur joue ouvert. Moi-même, on bloque équipe très haut et je garantis que c'est moi qui ai plus de goal. Il fait là avec Bayern, il fait là avec Barcelone. Et grâce à monsieur,
Barcelone qui ton équipe qui télarisé en Europe, que Real Madrid a ballotté et humilié depuis 4 championnats justement. Une équipe en grande difficulté financière, que image lui prend gros coup, jodi a moi crois que ou ka di. C'est l'homme de la situation ou bien ou sûr. Ou ka di que Barcelone retourne de la cour des grands. Bien sûr. Pour m'ajouter dans ka Andy Terflick là. Monsieur son entraîneur pas plein. Sacrivé monsieur arrivé dans équipe Barcelone, crise économique nous connaît, crise résultat tout. Barcelone pendant gain de joueurs, il pas ka acheter, il fait il aller il tenter Nico Williams sans pas ka prendre. Monsieur fait avec les moyens du bord. Ouais. Monsieur arrive dans une situation côté grand pile joueur blessé. Les gain des matchs, gain des situations Barcelone dans la donne. Monsieur pas plein, monsieur dit avec mon ni gain là-haut, l'a frappé. Et l'autre bagarre là tout, l'autre bagarre là qui gain là monsieur tout et une bagarre la porta qui lui-même et prend ça comme argument mais on monde qui dit son pic avec Xavi, mais c'est vrai. Parce que monsieur dans une situation côté équipe Barcelone dans grand pile blessé. Forcément, Mac Bernal, Casadou, et pas ça que t'es en tête, et Andy Terflick. C'est Frankie, il n'a pas gagné le commencement de saison, il joue. Et quand on parle de tempérament, monsieur, en fait, et aller au-delà de question, Xavi, ça, Xavi t'a fait. C'est après défaite contre Osasuna, monsieur Ando, c'est défaite là. Xavi, en temps normal, il t'a parlé de l'ITEDIL depuis bon qui est adversaire. Oui. C'est ça, et généralement, Xavi. Oui, oui. Et puis l'autre, il a toujours une excuse, toujours une raison qui fait le perdu. Ok, par contre, Flick lui-même lui dit le papa les bien sûr, en plus de ça, mais bon, gros polémique qui t'est déclenché avant Classico ça, soit Bit, Real Madrid, plein tout. Il a posé monsieur question dans la conférence pour la presse avant. Monsieur dit lui-même, lui papa l'entrée dans ça. Lui connaît Habit, la presse fait travail. Ça veut dire que son entraîneur est concentré dans ça l'affaire. Ce n'est pas même venir un projet de jeu qui va le faire, qui va se faire recommencer à gagner, non. C'est le mental là tout. Et d'ailleurs, il y a un pile de joueurs qui félicitent dans ça. Lewandowski, Pedri tout, et ça vite prend le mal. D'après ça, plusieurs médias en Espagne relayé. Le fait que Pedri t'ait dit, ça a gagné longtemps, il n'y a pas de jeune modèle d'entraînement, ça va pas dans la situation ça. Mais c'est méthode flic là. Maintenant, ok, tu es un adversaire. Adversaire là, c'est champion d'Europe, c'est équipe future Ballon d'Or là, ok, c'est Real Madrid. Moi, je crois que défaite ça a fait Real Madrid du bien. Victoire que il a fait, victoire étriquée. Victoire côté que il a joué bout de match 45 minutes boule 45 minutes il n'a pas existé il y a un petit temps fort les filles toujours là dedans ça c'est pas une formule qui est ou cap pérenniser son formule à court terme maintenant moi crois que Ancelotti a un gros challenge dans même challenge que il gagne dans même c'est comment monter une équipe équilibrée pendant que Vinicius Mbappé et Bellingham a brillé la donne. Et possiblement, Rodrigo a brillé la donne. La cherché formule là pour qu'on a joué ni. La PCIE, ok, tout ça. Mais malheureusement pour lui, c'est que le tap gagné de cette manière. Oui. Donc le fait que l'a gagné de cette manière, lui pas mettre tête en question. Maintenant, après on déculotté okay, de cette ampleur, moi je crois que Ancelotti doit aller dans le basique. Aller dans le basique et à réfléchir comment pour le monter en équipe compétitive, équilibrée, côté que quatre fantastiques lios abritent.